Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Tir Art Création. Nous allons voir comment nettoyer un dessin que l'on a scanné en vue de le colorier sous Photoshop. Le dessin a été scanné en niveau de gris à 600 dpi. Alors quand on scanne un dessin comme ça, il faut toujours le scanner à 600 ou à 1200 dpi pour perdre le moins possible de détails. Donc une fois dans Photoshop, vous pouvez le redescendre à 300 dpi. Et pour le nettoyer, nous allons utiliser l'outil Niveau qui se trouve dans Images, Réglages. Voilà, je choisis Niveau. Et avec les tirettes, nous allons jouer sur la balance des blancs et des noirs et nettoyer notre image. Alors, il faut faire attention de ne pas être trop violent, comme vous voyez, parce que là, on dégrade le dessin. Donc, on va pas tout enlever du premier coup, on va utiliser une autre astuce après pour fignoler. Donc, voilà, je peux en même temps recontraster mon dessin en vue de la couleur que je vais appliquer. Voilà. Ok. Pour me débarrasser des autres traces, pour bien les visualiser, une technique est de passer le calque en négatif. Alors vous faites commande I sur Mac et contrôle I sur PC. Et ce mode a l'avantage de bien voir toutes les traces de crayon qui peuvent rester car elles se détachent bien sur le fond noir. Donc avec le pinceau et la couleur noire, il suffit simplement de repeindre sur tous ces petits traits parasites pour les enlever. Voilà. Et voilà, je repasse mon calque en mode normal, donc commande I sur Mac, contrôle I sur PC. Donc maintenant mon dessin est propre, j'ai quand même gardé les nuances de gris que composait mon dessin réalisé au crayon. Je vais créer un nouveau calque que je vais nommer couleur et que je vais placer sous le calque crayonné. Pour pouvoir voir la couleur que je vais peindre sur le calque couleur, je vais passer mon calque crayonné en mode produit. Comme vous le savez, ce mode-là permet de rendre les pixels blancs transparents et de laisser opaques les pixels en niveau de gris ou en couleur. Je me rends de nouveau sur mon calque couleur et là, je peux commencer à peindre mon dessin et comme vous le voyez, le trait n'est pas altéré. Alors je vais pas tout faire, je vous montre comme ça vite fait le principe. Voilà. Voilà, vous pouvez peindre. Laissez libre cours à votre créativité et on constate bien que le noir n'a pas été dégradé. Je vais vous montrer le travail une fois fini. Voilà le principe, on va dire le principe de base de mise en couleur d'un dessin qui est souvent utilisé en bande dessinée. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ces techniques vous aideront dans vos créations et je vous dis à bientôt sur Tir Art Création.